C'est un ultime délai qui a été accordé à Bart De Wever pour voir s'il peut dégager une majorité au niveau fédéral. Alors souvenez-vous, Bart De Wever a été nommé informateur le 27 mai avec une mission, c'est d'aller assez vite. Il a demandé une première prolongation qui lui a été accordée et une deuxième qui lui a été accordée également. Il faut dire que la semaine passée, les choses se sont vraiment complexifiées pour lui, puisque jeudi, le PS a annoncé qu'il entamait des négociations avec le CDH pour une majorité au niveau wallon et au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi avec les FDF et le CDH à Bruxelles. Vendredi, la NVA et le CDNV ont annoncé qu'ils entamaient des négociations côté flamand et cela complexifie effectivement le boulot de Bart De Wever puisqu'il n'en fait pas mystère, il aimerait former une coalition de centre-droit avec le MR et le CDH, pourquoi pas. Alors est-ce que cela est encore possible? C'est ce qu'il va tenter de savoir pendant cette semaine où il aura, on imagine, divers contacts avec les responsables politiques. Alors, difficile de prévoir un scénario, alors qu'il est, tous les scénarios de coalition sont encore possibles. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le Palais l'a bien dit, mardi prochain, le 17 juin, Bart De Wever devra présenter ses conclusions au souverain.